Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo, une vidéo entre guillemets information, demande, tout ce que vous voulez. Grosso modo, l'un d'entre vous s'est proposé de m'offrir Mass Effect Andromeda. Ce qu'il faut savoir, c'est un jeu qui me tente un petit peu quand même, même si j'ai pas été un grand fan de tous les Mass Effect, ou si je n'y ai joué par exemple parfois que pour l'histoire, sans aller un peu autour, sans vraiment chercher un petit peu. Là, nous avons Mass Effect Andromeda qui va sortir très très prochainement. Donc voilà, c'est un jeu qui reprend l'univers de Mass Effect, le 21 mars, l'univers de Mass Effect, mais qui surtout sort du cadre de l'histoire du Mass Effect 1, 2, 3, avec Shepard et tout ça. Donc voilà, c'est un jeu qui se base sur l'univers uniquement. On retrouvera sans doute des informations sur ce qu'on sont devenus nos héros, nos anciens camarades, entre guillemets, dans les précédents jeux. Donc ce jeu, je vous le propose. Est-ce que vous voulez le voir sur la chaîne? Est-ce que vous voulez voir un playthrough complet donc sur la chaîne de ce jeu? Ça reste dans l'optique de la chaîne toujours la même chose, c'est-à-dire un jeu qui se passe dans l'espace. Hein, c'est ce genre d'univers que j'adore, moi personnellement. Hein, que ce soit pour Starborn, Elite Dangerous, Robocraft, Mass Effect forcément du coup, ou encore d'autres jeux, hein, Astroneer. Enfin bref, la plupart des jeux de la chaîne se passent dans l'espace, et donc moi je vous en parle. Est-ce que vous voulez le voir sur la chaîne? Est-ce que vous voulez voir une série complète dessus? Vous avez donc, comme vous pouvez le voir, des images du simplement du trailer d'annonce derrière vous. Donc donnez-moi votre réponse dans donc soit dans le petit sondage en haut à droite, soit dans les commentaires, hein, si possible les deux. Comme ça vous pouvez donner et votre avis et bah, votre vote tout simplement. Et moi je vous retrouve donc prochainement pour la suite de nos aventures sur la chaîne. Voilà, salut les gens.